Wesh, mais frappe, aujourd'hui petit best-of d'une rediff d'un de mes lives sur le serveur G-Live de GTRP. Le perso s'appelle Rico Leoni et c'est le premier épisode d'une longue série, je pense. La première fois que je joue à GTA RP aussi, donc j'espère que le rendu va vous plaire. Véron a fait quelques petites rencontres qui par la suite déterminera si on fait dans l'illégal ou le légal. Si vous voulez suivre l'histoire en direct, ça se passe sur Twitch. Je vous mets un lien dans les commentaires et je vous dis bonne vidéo les frères. Waouh, le style de fou. Ah ouais, c'est la... tu fais TB frère. Je pense qu'on a le droit de voler le camion. Bien test, hein. Mon camion, mon camion. Ah, c'est le tien frérot. Ah, désolé, désolé. C'est pas le mien, je l'ai volé. Ah bah Kisha, s'en fout alors. Vas-y viens, vas-y viens, viens, on y va ensemble, vas-y go. Vas-y viens frérot, viens, viens, viens. Je crois que j'ai eu... Ah ya, c'est pas eux qui a volé le camion. Mec. Oh frère, j'ai pas le permis. Jure toi aussi. Aïe ya. Eh ouais, mais t'as vu quand j'étais jeune que je conduisais. Eh ouais, j'allais dans... T'as vu dans des camps de gitans, c'était mes collègues et ils me faisaient conduire. C'est comme ça que j'apprends à conduire guette. Que chez les gitans, tu vois ça. T'es où? T'es chaud, on va acheter un couteau comme ça, on va couper du saucisson. Ouah frérot, tu m'as fait extrêmement peur. Eh moi, je suis pas dangereux. Enfin, je sais pas, en vrai un peu, mais ça va. Attends, attends, laisse-moi me concentrer sur la carte. C'est quoi? Tu vas me donner ton numéro dès maintenant, c'est bon? Alors? Mais comment ça? Tu m'as volé mon téléphone ou quoi? Pourquoi j'ai pas mon téléphone là? Ah, tu m'as volé! Tu me fais les poches en fait. Je vais te goumer, frère. Eh, tu sais quoi? Je vais pas rigoler avec toi longtemps. Il est où mon téléphone? Vous n'avez pas de téléphone sur vous. En fait, tu vois ton téléphone. Ah non, j'y vois, il est sur moi, mais je dirais je peux pas. Oui, bonjour. J'ai vu qu'il était en galère, tu veux monter? Franchement, ça... En fait, j'ai pas le permis, monsieur. Vous savez où on le passe? Je suis tout nouveau. Qu'est-ce que tu fais avec une voiture si t'as pas le permis? Quoi, tu prends cher, toi, si tu me mènes... Le kilomètre, c'est 50$ et c'est pas trop loin. Oui, du coup, tu vas payer 100$ maximum. Vas-y frérot, tu as l'air grave gentil, je vais faire ça. Vas-y, moi. Oi, pas de réduction par contre, hein. Ah mais j'ai grave laissé mon poteau en galère, j'ai même pas pris son numéro. Vas-y, c'est pas grave. Ah mais on est rendu à hein. 50$, ça va. Ah ouais, c'est juste là derrière. C'est juste là, parce que c'est en voiture. Crois-moi qu'à payer ça, c'est beaucoup trop de trucs. Eh, j'adore ton t-shirt frérot. J'ai dit, vas-y. Eh, on est payé là, monsieur, il faut payer là. Ah, faut payer maintenant. Ah mais attendez, je crois que j'ai du mal à payer là. Eh, et j'ai t'ai fait la figure. Ah mais tu sais la comment... Quoi la figure. Oui, mais t'y connais, ça va, t'es pas perdu, genre t'as tes papiers. Ah frérot, je suis gras. Mais quoi? T'as tes papiers? Non. Comment tu veux avoir le permis si t'as même pas tes papiers normalement? Ça. Bon, on va passer par là. D'abord, tu prends tes papiers. Celui-là, je te fais gratuit, puisque de base, tu vas aller. Gratuit, carrément. Et ouais, la course là, elle est gratuite, tu vois. Elle est je t'ai déjà payé. Franchement, c'est gentil, si elle est gratuite. Puisque bon, tu viens d'arriver, j'ai de la peine, puis tiens, ça me fait penser à ma vie d'avant. Ta vie d'avant? Ou ta vie au début? Oui, ma vie de merde. Il y avait que des galères, que des soucis. Et personne m'aidait, moi. Personne. Je me suis fait tout seul. Si tout seul, c'est braquer des banques, mais quand même. Merde. Quoi? Quoi? Non. J'ai fait de la politique. Ouais. Pourquoi t'es taxi, frérot, alors, si tu fais la politique? Bah, parce que personne n'a voté pour moi. Ben moi là, je voterai sûr, sûr et certain. Pourquoi tu votes sûr moi? Faut voter pour moi. Eh c'est vrai, je vais pas me mettre sur toi, mais tu as compris, tu es gentil. Moi je vais bien. Taxi, taxi. Oh, taxi. On va parler mieux au taxi. Taxi. Oh, on va parler mieux au taxi. Oui, mais eh mec, il y a moins que tu fasses un aller au taxi. Attendez, on parle là. On est en train de parler. Vas-y, tu vas rentrer à l'intérieur de l'établissement. Ouais. Tu vas voir monsieur le baril et tu prends tes papiers, les permis, c'est pareil. Je vais voir un bidon d'essence. Mais non, tu rentres là-bas à l'intérieur. C'est qui le tu monsieur parler au monsieur le Congolais. Vas-y frérot, bah je vais demander parce que j'ai pas tout compris. Allez, bisous, merci, tiens bon. Mais frère, tu vas rentrer. Non mais tu veux pas que je t'emmène au permis? Ah, tu m'attends carrément? Mais oui, puisque tu as payé toi ta course. Eh, t'es vraiment quelqu'un d'aimable. Mais toi t'as payé, c'est normal. C'est pas que je fais des favoritismes. Eh ben j'arrive, tiens bon. Vas-y, j'attends. Vite hein. Eh, ça commence bien. Mais par contre le frérot qui a déco C'est quoi ce petit carton? C'est le permis de qui? Vas-y, monte. Eh, c'est bon, j'ai trouvé un permis, c'est bon, je m'en fous de mes papiers. Non, mais tu dois le... Ouais, mais le permis, t'as aussi tes papiers avec, mais tu dois le passer maintenant, le papier. Ouais, et tu dois passer le permis maintenant. Mais je l'ai, le permis, là. Non, t'as les papiers du permis. Je viens d'en trouver un, mon frérot.
Tu l'as pas passé, t'as les papiers du permis, tout le monde l'a ça. Il y avait un petit... Non mais il y avait un petit carton devant le truc. Mais justement. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, c'est bon, j'ai compris, désolé. Ah mais c'est tout là, c'est tout ce qu'il faut que je fasse. Mais oui, tu... en fait, ton permis, il est relié à ta carte d'identité. Ici, c'est le futur. Et là, en fait, j'ai besoin de parler à Deg. Comment ça? Mais là, je suis allé devant la petite porte, il y avait un petit carton, il y avait un permis dedans, je l'ai pris. Mais non, mais c'est pas ça que tu dois faire, t'as piqué les papiers de quelqu'un d'autre. Ah, bah attends, je vais rendre alors, j'arrive. Waouh, c'est tout boisé. Moins 2 euros, vous avez acheté un permis. C'est tout? Mais j'ai deux permis sur moi, là, du coup. Oh non, ah non, il est là, le... Ça, c'est le mien. Et l'autre permis, j'en fais quoi? Je vais aller le donner au Condé, le permis. Ah, bon, super. Bah tiens, attends, voilà ton taxi. Ok, oh, dégradation, je crois que t'as dit ton allez, ah, tu veux que j'aille le taper? J'ai fait de la boxe dans ma vie. Non, non, ça va. Allez, vous voulez aller où? Parce que c'est la Sunna, faut toujours utiliser sa main droite. Quoi, y'a pas un mec qui s'appelle Bapéti Julien ici? Non. Eh ben, j'ai sans un truc. Mais tu sais, c'est trop bien, t'as trouvé un truc qui pourrait te servir. À chaque fois que tu fais des bails illégales, tu montres ce papier là. Vous voulez des papiers d'identité, c'est quand même chaud. Sûrement, mais attends, je vais tout apprendre, sa date de naissance, tout. Non, mais refais la même, genre. Et mais dis que tu la montres. Ouais. Tiens, je la montre. Ah, mais tu es petit, toi. Ouais, casse les couilles. Ensuite, tu seras à le prendre. En faisant comme Damso, mais en double. Tu vois, Damso il fait V, toi tu fais double V. T'as réussi le message? Oui, ouais, il faut que maintenant. Ouais. Je vais rester à 50 parce qu'on sait jamais, tant ils me font rater le code. Bon, c'est quoi, vas-y, on va accélérer un peu. C'est... Ah, mais je crois que c'est Ah, mais il a raté le père. Frère, il y a un petit problème, je crois. Frérot, il y a un régulateur. Tu dois aller à 70 km/h max. Mais moi, les frères, en ville, dans là où j'habite, c'est 100, hein. Mais ici, c'est 70, espèce de fou. Ouais, mais moi, j'habite loin et tout. Bah, vas-y, mais vas-y, casse les couilles. C'est carré, c'est le processeur de... Wesh! Il est tombé sec, il est tombé. Il est où, mon ami Demba? Il s'est cassé, mais si tu l'appelles, il va venir. T'appelles le taxi, je pense. Et en vrai, je crois que j'ai plus un. Il est de fantôme, il y a personne. Faites quoi en ville un peu sinon? On vient d'arriver, frère, c'est fait 5 minutes. Ouais, de loin. Oh, c'est un truc de cul ça! Ça m'intéresse! Full black, pas dur. Pourquoi j'ai deux permis? C'est que on sait même pas. Ouais, moi aussi j'ai deux permis. Ah ben voilà. Moi, on est sûr. Ouais, Rico! Tu l'as eu le permis? Je l'ai eu, mon frérot, bien sûr! Deuxième coup. Abdouloulula. Quoi, du coup, ça vient me chercher là? Je te paye à boulette et. Tu m'emmènes où tu veux? Marche vers l'île du Sud. Il était du Sud? Oui. Oui. Il te dit que tu suis. Non. Vas-y, ouais, ben frérot, je vais marcher et quand tu as plus des clients, tu me dis et je vais. Et tu sais quoi? Moi, je suis tellement un fou, je vais trouver un job en un jour aussi. Tu vas trouver un job direct. Ça, tu vois, ça me plaît, ça, quand tu prends des belles initiatives comme ça. Puisque j'ai fait ça à mes potes, dis-toi, le mec en 10 jours, il s'est fait fini, il a plus de thunes que moi. Bon, ben moi, je vais faire petit footing, je vais faire. Vas-y, voilà. Moi, je vais parler avec les clients en attendant. Allez, le bisou, mon frérot. Hey, GTA, ça fait pas beaucoup de specs, hein. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? C'est une dinguerie, comment j'en ai rien à foutre que ça fait pas beaucoup de specs. Là, à parler et tout, je me régale. C'est ça que j'ai pris tout à l'heure quand je roulais. Je croyais que c'était une plaque d'égout, mais c'était ça. Je ramasse tout ce qu'il y a par terre. Oh, téléphone. Oh, let's go. Aya, ah, avec sa camionnette. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ah, je croyais que c'était mon ami avec une camionnette. Et vous pouvez répondre à une petite info, s'il vous plaît, pour moi. Dites-moi. Est-ce que vous savez où le commissariat, s'il vous plaît? Ben, en fait, là, je m'y rends. J'ai mis. J'ai une carte là sur moi, j'ai regardé. Ah. Ou je peux monter avec vous, je vous amène, je vous dirige. Oui, allez-y. Ah, c'est grave gentil, monsieur. Dis-moi ces belles têtes de ce gay. Est-ce que vous pouvez m'aider? À quoi, monsieur, dites-moi. Alors, je vous explique mon problème. Je suis sourd. Oui. Je n'entends rien. Ok. Est-ce que vous avez un moyen de réparer ça? Vous m'entendez, là? Alors, non. Enfin, figurez-vous que c'est l'autre qui est à côté qui arrive à traduire en anglais. D'accord, ok. Wesh, ah dinguerie. Ok, ben moi je sais que... En vrai je sais pas trop. Oh, y'a la belle OG. Y'a la méchante OG.
Wesh. Oh. Wesh. Oh, il s'est relevé Normio. Ah, j'ai fait mal. Oh, il s'est relevé Normio. Allez, bisous les. Oh, vous l'avez carton. Wesh. Monsieur, ça va? Oh, monsieur, zabé. Ah ouais, c'est vrai, il entend pas, le monsieur. En plus, il est sourd. Genre, c'est un sourd qui se fait percuter. Il s'est fait percuter, il peut pas parler. Réfléchis. Réfléchis, mon frère. Mon frère, il a mangé. Je t'ai dit qu'il est sourd. Avant qu'il s'est fait percuter, je t'ai dit qu'il est sourd. Ça veut quoi, monsieur? Un médecin. La gueule. Il va m'écraser, il va m'écraser. Eh, monsieur, grosse dinguerie. Il y a une voiture violette, elle est arrivée, elle a écrasé le monsieur. En plus, il est sourd. Ça veut dire truc de fou. Je suis témoin, moi. Ouais, dinguerie, frère. Papa. Ouais, mon gars, t'es libre ou pas? Non, désolé. Bah attends, je peux monter et tu me déposes à la pharmacie. Non, désolé. Il faut payer, monsieur. Quoi? Vas-y, 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 c'est bon. Voilà. Merde. Bon, c'est pas grave. Alors, mes kilomètres, c'est $50 à peu près. Du coup, combien? Bah, $50 le kilomètre à peu près. Ah ouais? Du coup, c'est nul quoi. Genre, du nord au sud, je gagne $400 maximum. Du coup, bah, c'est. Mais du coup, pourquoi j'ai payé 125 alors, moi? Justement, c'est ça que j'ai des merdes en fait. Mais j'ai fait genre de. Que tu grilles pas. Oh, je dois te rembourser. Ouais, t'as baisé, en fait. Et conduis à ma place vite fait, j'arrive. Il est où le client, frérot? En fait, c'est le rayon que les gens ils m'entendent. Genre, si je fais chuchoter. Ouah. J'ai cartonne. Je m'en fous, je reste là. Il va me tuer, Demba. Je sors pas, sur ma mère, je sors pas. Toi aussi, mon frérot. C'est grave bien les accidents sur ma mère. Oh, il va câbler. La voiture, elle fume, frère. Oh, il va serrer. Ouais, je suis de retour. Ah, j'ai grave pas le point, mon frérot. Tu m'as dit va au client, mais j'ai pas le point. Enfin, j'ai pas de. Pourquoi la voiture elle fume à ce point? Je sais pas. Continue. Ouais, tu m'avais pas dit où aller. Oh, pourquoi elle pète la voiture? Parce que toi tu l'as fait péter. Non, même pas. Vas-y, il attend un peu. Bon, nique sa mère. Oh, elle démarre plus. Mon rêve. Non. Quand je vais te dire, tu vas frapper la voiture, ok? Vas-y, descends. Quand je vais dire de frapper la voiture, tu la frappes. Ah ben non, en fait, il y a les mécaniciens. Ah bon, c'est pas grave. Non, mais devant, va dans le capot, va dans le capot. Quand je te dis frappe, tu frappes. Frappe. Oui, tu m'en vas, gosse. Ah ouais, mais si, la voiture, elle est décédée. S'il te plaît. S'il te plaît. Les clients, il est tombé un peu, mais bon. T'as vu comment vous avez voulu la démarrer? Ouais, mais tranquille. Non, mais c'est les gars, une technique, faites pas ça devant moi, en fait. Non, mais non, on est ici juste... Mais dans tous les cas, on te paye, tu répares. Au pire. Tu vas bien? Non, parce que je savais pas que c'était toi qui a appelé. Vas-y, mon dieu. Ah ouais, ça se voit, vous vous connaissez. Vous êtes plein de couleurs, tous les deux. Ouais, ça fait pas mal de temps. Double gars, je vais t'enculer, toi, quand tu finis ton service. Monsieur, tu peux aller derrière? Ouais, va derrière, s'il te plaît. Non, tranquille, laisse la gadget avec moi derrière. Non. Ça fait plaisir, tout, t'inquiète. Tu es qui, toi? Bonjour, madame. Quelqu'un. Tu reviens d'Hawaï, c'est quoi ce pantalon court? Vous voulez aller où? Mais il est bien, mon pantalon court, c'est parce qu'il fait chaud un peu. Dépose-moi au gouvernement, s'il te plaît, j'ai rendez-vous. Mais je sais même pas si c'est l'homme d'affaires. Viens au placement, t'inquiète. Pourquoi il y a un inconnu dans le taxi? C'est les hommes, madame. Toi, t'étais une inconnue aussi, hein, au début. Ouais, mais maintenant, on se connaît bien, clin d'œil. Ben moi, je connais bien le monsieur. Tout le monde a déjà touché, sauf moi. Tiens. Oh les TN de fou. Tu sais que j'ai oublié comment tu t'appelais. Rico mon frérot, tu sais rien quoi. Non, pas toi, la meuf. Ah merde. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Et après je suis un étranger. Je recoute tellement de meufs que j'oublie les prénoms des gens moi. Douglas, arrête de faire le... Bref. Non mais c'est moi. Tu m'as promis un numéro. Comment ça Douglas? Elle est tellement bien, elle est tellement bien. Quoi? Non rien. C'est qui Douglas? C'est de conne. C'est qui la conne? Toi? Oh, le Kimbell, le Times Square. Oh, j'ai reçu un message.
C'est parti. Oh non. T'inquiète, double classe. Ah, ok. Mais double classe, tu es noir. Mais bien sûr. Bon, les frics blancs et les frics noirs, c'est tout près, hein. Moi, bah je oui. Peux, est-ce que je peux... Ouh, il a failli se manger une voiture, lui. Ah, vas-y, c'est là. Merci. Non. Oui, c'est là, c'est là, c'est le gouvernement. Attends, attends, juste avant de partir, madame, s'il te plaît, tu peux me donner un renseignement, s'il te plaît. Tu as acheté où les TN? Les TN? Ouais, ouais, ouais. C'est un clochard qui me les a donnés. Mais non. Et ton numéro? Non, mais Rico, ah tu sais que... Est-ce que tu veux mon numéro pour que je fasse avocat soir? Ah oui, 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 oui. C'est 89-301. Il s'est vite rattrapé quand même, le frérot. Hein, je Rico, m'ajoute pas trop cette meuf, t'inquiète. Double glace, juste avoir les TN, frérot. Parce que, dis-toi, je la connais de ses débuts, elle... C'est quoi votre nom, comme ça, je note Bah, elle boucle. Attendez, il y a un petit carton, je vais voir c'est quoi. Quel numéro carton, gros carton. Moi, je quitte pas le taxi, je reste avec toi, double glace. Gros GPS. Eh, hey, Douglas, dis la vie de ta mère, elle a pas la voix du monde à l'envers. Quoi? Je te dis que t'as raison. On dirait, on est d'accord. Genre. Hey, Rico, tu sais qu'elle, elle s'est fait sauter par toute la ville. Moi, elle fait genre, ouais, t'es ma guessure, elle a jamais rien fait toucher. Ah ouais, mais ça je connais ce genre de fille, ça. Pourquoi? Ça veut faire les halal avec des gens bien. En fait, tu vois, avec tout le monde, elle donne ses seufs, avec moi, c'est oh là là, non. Ben, tu sais pourquoi ça, frérot? C'est parce que tu es quelqu'un de bien. Voilà. Si tu serais un gros chien avec elle voudrait bien te donner ses fesses. T'es grosse merde. Allez, Nalbouk. Mais comment ça, double glace? Douglas, mais elle dit double glace parce qu'elle est conne. Oui, frère, mais comment ça, aux gens qui me cassent les couilles, je délivre aussi d'autres.